Bien évidemment, on est content de repartir. C'est vrai que ça fait un arrêt qui est conséquent. Déjà, les grandes trêves entre les rassemblements en novembre-mars, ça nous paraissait très 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 long. Alors c'est vrai que là, 9-10 mois, c'est considérable. Donc on a hâte de retrouver le terrain, hâte de retrouver le groupe, et puis hâte de redonner de l'élan à notre campagne de qualification. Moi, depuis que je suis avec les Espoirs, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui a fonctionné. C'est pas les premiers, j'espère que ce ne sera pas les derniers. Mais voilà, on est toujours content de voir des joueurs qui ont évolué avec nous pendant un certain temps passer la marche pour aller chercher cette équipe de France A. Après, c'est la vie de la sélection, c'est comme ça. Voilà, nous, on a aussi pour objectif de la renouveler et puis de trouver voilà, un équilibre avec des joueurs qui, certes, ne sont pas encore venus, mais qui vont découvrir les espoirs et qui vont aussi amener tout leur potentiel et leur envie de mener cette sélection vers ses objectifs. Ça va être deux matchs qui vont être à la fois hyper importants, bien évidemment, mais on aura des oppositions qui seront pas faciles parce qu'on a joué cette équipe, notamment de Géorgie, à Nancy, qui nous avait donné pas mal de fil à retordre. On a réussi à s'imposer 3-2, mais une équipe agressive, tonique, bien organisée, qui se projette vite vers l'avant. Et puis il y a cette équipe d'Azerbaïdjan qui me semble-t-il, n'a jamais perdu par plus d'un but d'écart chez elle. Donc on sait qu'on aura deux confrontations enlevées, mais on devra en tout cas montrer un meilleur visage que ce que j'ai vu en Suisse pour se mettre à l'abri d'un accident. Évidemment, il n'y a pas de temps à perdre, la formule elle est serrée. On connaît le fonctionnement maintenant des qualifications. L'idée, c'est de faire carton plein, c'est évident. On doit rattraper ce retard qu'on a sur la Suisse, mais prenons les matchs déjà les uns après les autres, faisons ce qu'il faut, et puis après, on pourra parler des résultats.